13 Congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Amboka Nabiso. Au patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le colloque international sur le thème « Bassin du Congo et changement climatique » a clos ses travaux le samedi 15 juillet 2023 à l'amphithéâtre Tianzhou du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Comme à l'ouverture, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a présidé la cérémonie de clôture. La situation actuelle des forêts et des ressources en eau du bassin du Congo, les changements climatiques et conséquences sur la biodiversité, l'actualité du climat et de l'écosystème mondial, économie du changement climatique, les changements climatiques et enjeux sanitaires, prévention des crimes sur les bassins du Congo, la politique de la République démocratique du Congo pour les bassins du Congo et le changement climatique ainsi que les réponses stratégiques du bassin du Congo face au climat climatique ont constitué les matières des réflexions durant 3 jours par des sommités scientifiques, des experts nationaux et internationaux aux problèmes environnementaux et auditeurs du Tiest. Face à cette épineuse question qui préoccupe le monde dans la lutte contre les réchauffements climatiques, un danger qui menace l'humanité tout entière et de l'importance du bassin du Congo, solution pour la sauvegarde de l'écosystème, 3 recommandations ont été retenues par le groupe d'experts qui ont été présentées par l'honorable Solange Massombuku. En 3 journées, les réflexions des différents scientifiques, experts et praticiens ont été subdivisés en 8 panels. Du groupe des experts, voici 3 points qui ont été retenus. La mise en place d'un réseau pour la recherche et la perspective, le climat et le développement dans le bassin Congo. Cette initiative s'aligne sur la plateforme de scientifiques créée par la CAC qui s'appuiera et assurera la promotion des initiatives pilotes existantes comme les essais, les installations des Yangani pour en faire un programme à étendre au bassin du Congo. La mise en place d'un groupe restreint chargé de formaliser l'initiative énoncée plus haut. Et enfin, la recommandation au CHESD de créer un département, pourquoi pas une chaire en changement climatique.
Auparavant, lors de la conférence inaugurale axée sur la thématique bassin du Congo et changement climatique à l'aune de la COP27, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et auditrice de la 6e session spéciale au Tchèze a fait un exposé magistral sur les atouts et les potentialités du bassin du Congo ainsi que les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour la sauvegarde de l'écosystème. C'est le programme d'action de lutte contre le changement climatique et aussi corollaire au principe pollueur-payeur, tout en disant que nous ne sommes pas responsables de la pollution et cela ne nous exempte pas de lutter contre le réchauffement climatique. Mais le pays responsable de la pollution a l'obligation de mettre la main dans la poche pour lutter contre le changement climatique. Sinon, il ne faut pas nous demander de préserver nos forêts, il ne faut pas nous demander de préserver nos ressources, il ne faut pas nous demander de préserver les tourbières pour les besoins de l'humanité. Mais nous avons trouvé une autre voie innovatrice de financement de notre CDM, c'est la hausse, la révision à la hausse du prix de la tonne de carbone. Parce que nous ne voulons pas que la demande de financement soit transformée à une demande d'aide humanitaire. Il ne s'agit pas ici de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Il s'agit, comme je vous ai dit tantôt, de l'application des principes de l'UE. Nous sommes en train donc de mettre des mécanismes qu'il faut, des soupapes de sûreté pour que... Dans son mot de clôture, Jean-Pierre Bemba a non seulement reconnu la pertinence du thème choisi pour ces colloques qui démontrent le rôle salvateur du bassin du Congo dans la sauvegarde de la biodiversité, mais aussi il a salué les pistes des solutions formulées par les experts sous la forme des recommandations avant de féliciter les auditeurs pour leur assiduité au panel. Excellence, honorable député et sénateur, monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, chers auditeurs et auditrices du CHEST, distinguées personnalités, tout est bien qui finit bien, dit-on. Vous conviendrez avec moi que de ce moment de réflexion, l'auditeur attentionné aura retenu le devoir de la réussite et la passion de l'excellence. Mesdames et messieurs, c'est avec reconnaissance, plaisir et devoir que j'aimerais clôturer ce séminaire que j'ai eu le privilège d'ouvrir. Reconnaissance aux éminents intervenants pour le travail abattu. Plaisir pour les connaissances acquises et devoir pour leur mise en pratique. Je félicite les auditeurs pour leur assiduité au panel et l'intérêt accordé au sujet. Et puisque vous commencez la défense de vos mémoires la semaine prochaine, je vous souhaite bonne chance. Ceci dit, je déclare clos le colloque sur le thème bassin du Congo et changement climatique. Je vous remercie. Lancement du nouveau projet de l'Union européenne appelé Unis pour la paix et la sécurité a eu lieu mercredi 5 juillet 2023 dans la salle des réunions locales numéro 28 du secrétariat général de défense. C'est la première réunion du comité technique tenu par le secrétaire général ad intérim, général de brigade Adjanga Christophe, en présence de plusieurs officiers généraux et supérieurs. Prenant la parole, le général de brigade Adjanga a exprimé les contenus de la réunion. Bon, il s'agit de la première réunion du comité technique de nouveau projet de l'Union européenne appelé Unis pour la paix et la sécurité. Comme vous le savez, l'Union européenne appuie le secteur de sécurité, en particulier la défense, dans la mise en œuvre de son plan de la réforme. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'Union européenne a mis en place ce projet-là. Mais ce n'est pas le premier projet. Il y avait un premier qu'on appelait ESSEC, suivi de Progress. Maintenant c'est le troisième projet qu'on vient de lancer, qui vient de démarrer, c'est juste pour aider l'armée à mettre en place sa réforme. Merci.
Pour sa part, M. Patrick, chef du projet, a exprimé ses satisfactions à l'endroit du peuple congolais et son armée. Ce que peuvent attendre les populations et FARDC, c'est un ensemble d'actions. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces activités ne se mènent pas seules, elles se mènent avec les représentants des FARDC et qu'elles correspondent à des planifications d'activités, à une sélection d'activités qui a été décidée avec les autorités de la RDC. Donc je peux citer des exemples. Les exemples, c'est la réhabilitation de l'hôpital militaire de Goma, c'est la relocalisation de la soute à munitions de Bounia, c'est la diffusion sur différents formats et supports du code d'éthique et de conduite, c'est le soutien aux structures centrales du ministère en matière de suivi, planification, c'est un soutien en matière de formation aussi bien initiale que continue, c'est un soutien aux écoles qui assurent cette formation. Voilà quelques exemples. Je vais aussi ajouter une concertation avec les populations civiles, les structures qui les représentent, et des actions, ce que nous appelons des actions civiles ou militaires, qu'elles soient génératrices de revenus ou non génératrices, pour permettre de resserrer le lien entre les FARDC et les populations locales. Mon se clôturé par la prise des photos. Le site touristique du monument du soldat inconnu, en plein chantier de rénovation, attise la curiosité et attire déjà des visiteurs. Vendredi 14 juillet 2023, le commissaire général du gouvernement provincial du Lualaba, en charge du tourisme, le docteur Joseph Timonga, a reçu le général-major Kabwanga Kaseu Seforose sur le site touristique. Le secrétaire général au ministère de la Défense et ancien combattant, le général-major et sa délégation sont venus de Kinshasa, sur autorisation du vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba pour une mission d'inspection des patrimoines de la Défense nationale. Le commissaire du gouvernement provincial du Lualaba, en charge du tourisme, a servi de guide. Le docteur Joseph Timonga a expliqué à ses hôtes la vision éclairée de Fifi Masuka, gouverneur des provinces, dans le domaine du tourisme. Nous sommes sur un site touristique, mais n'oubliez pas, ce site a des vestiges militaires. D'ailleurs, on l'appelait tout le temps « soldat inconnu ». Je suis aujourd'hui content que le général-major vient de me dire, au lieu de mettre soldats inconnus, nous pouvons mettre le site du vaillant soldat. Voilà pourquoi elle est venue, parce que nous voulons ici donner une forte mémoire à notre armée. Et ce site, c'est un site qui est maintenant aujourd'hui touristique, mais qui a ses soubassements militaires. Voilà pourquoi ça intéresse l'armée. Elle vient de Kinshasa, de la haute hiérarchie, pour se rendre compte que ce site appartient également à l'armée. Nous lui donnons la valeur pour que nos enfants qui viendront visiter ce coin, nous puissions leur donner l'histoire de notre pays, ce qui s'est passé dans la vie de Colusie. Je crois que les jours qui viennent, nous aurons beaucoup de séances avec les plus hauts gradés de l'armée pour que l'on puisse donner les valeurs des vestiges sur ce site. Sur le site du soldat inconnu de Colusie, le général-major Kabwanga Kaseu Seforose s'est dit satisfaite de la vision innovatrice imprimée en lettres de noblesse par l'autorité provinciale. Elle promet de faire part à sa hiérarchie pour que tous les moyens soient réunis. Le premier ministre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, m'avait envoyé ici pour que je puisse aussi présenter les sites du pays à son Excellence Madame la gouverneure du site, et puis visiter aussi ce site qui est le patrimoine du ministère de la Défense nationale. Parce que quand on a vu qu'on était en train de construire, on devrait se rendre compte qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quelle est l'idée de la gouverneure pour qu'ils puissent réhabiliter cet endroit. Alors on a vu que c'est pour valoriser les vaillants soldats qui sont tombés dans la guerre de 6 jours et 80 jours. Alors je vais me rendre à Kinshasa pour donner les rapports à l'autorité qui m'a envoyé.
Le monument du soldat inconnu de Kolozi, construit vers les années 70 et aujourd'hui modernisé en référence aux années 1977 et 78 pour immortaliser les guerres de 80 jours et de 6 jours. Il n'est pas un cimetière pour ceux-là qui l'estiment. Abandonné pendant plusieurs années, il subit désormais des travaux de rénovation. Les chantiers évoluent selon les prévisions. La population de ce coin a réservé un accueil chaleureux au lieutenant général Louboyanka Chamadjoni, gouverneur de l'Ituri et toute sa délégation ici à Boudana, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Bounia. Juste après s'en est suivi une visite guidée aux installations de la centrale hydroélectrique de Boudana, imminente en capacité mais réduite à cause de son état de vétusté durant de l'époque coloniale. Deuxième étape, c'est l'usine ici dans la salle des commandes et des machines. Le lieutenant général Louboyanka Chamadjoni a eu des explications sur le fonctionnement, la mise en condition de ces barrages. Avec une capacité de 10,8 MW lors de la construction, aujourd'hui, au regard de la vétusté de certains matériels, cette centrale produit 2,5 MW. Le gouverneur de l'Ituri a promis canaliser les doléances de la population au travers la Sokimo à sa hiérarchie pour augmenter sa capacité et moderniser cette centrale. Les demandes de la population, c'était de rétablir le courant dans cette grande cité. Pour cela, il fallait, n'est-ce pas, réhabiliter la centrale de Boudana. Nous sommes venus ici visiter cette centrale, voir de quoi il s'agit, quels sont les problèmes, pour aussi, de mon côté, saisir l'autorité. Parce que, comme je vous dis toujours, l'Ituri, avec sa population, mérite beaucoup. Ça, c'est une province d'avenir. Nonobstant tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça va se terminer incessamment. L'autorité provinciale voudrait aussi obtenir la contribution de toutes les couches sociales, notamment la FEC, pour que les Ituriens bénéficient d'électricité. Ce pilier ici, électricité, c'est quelque chose de très important dans le développement de l'Ituri. Directeur d'Electro-Kimon, l'ingénieur Diédoné Ngiti Kabaseke, s'est dit satisfait de la visite de l'autorité provinciale. Ces promesses, nous les prenons à cœur. Ensemble, nous allons donner le maximum de nos mieux pour arriver à maintenir le courant à la centrale hydroélectrique de Boudana afin de desservir la ville de Bounia et ses environs. Après avoir signé dans les livrets d'or de cette barrage, le lieutenant général Louboyanka Chamadjoni a encouragé les travailleurs de cette centrale qui ont élu, en dépit des difficultés énormes, que plus rien ne sera comme auparavant avec l'appui du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le stagiaire de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont clôturé ce vendredi 14 juillet 2023 leur voyage d'études au Cameroun à l'issue des séries de visites d'études effectuées dans la ville de Douala. Arrivé ce même vendredi dans la capitale économique du Cameroun, le 27 stagiaires de l'ESAM ont assisté tour à tour à des séances de travail. D'abord à la base logistique continentale de l'Union africaine et à la base navale de Douala, où un exposé a été présenté à l'intention de ces 27 stagiaires par les capitaines des vaisseaux Young autour du thème « Les menaces transfrontalières et la réponse sous-régionale, cas de la zone D. Bon, dans ces deux visites, dans la base logistique de l'Union africaine, là c'était plus le soutien matériel hein, des contingents, donc des PC, des postes de commandement, des différents contingents. Donc les contingents venaient avec leur matériel, mais par contre, la base logistique pourvoyait aux besoins de postes de commandement. Mais par contre, ici, nous avons survolé plus des menaces qu'il y a au niveau du Golfe de Guinée. Là, ce sont des menaces, il y a la piraterie, il y a le trafic, les drogues, il y a des navires qui vont en dérive parce que ce sont des navires qui transportent des migrants, donc il y a beaucoup de choses. Auparavant, les commandants de l'école supérieure d'administration militaire et chef de délégation a présenté ses civilités au général Ebaye Babed Benoît, commandant de la 2e région militaire interarmée et commandant place de l'armée camerounaise à Douala. La délégation de l'école supérieure d'administration militaire n'a pas manqué de visiter les stades de Djapoma, un des plus grands stades du Cameroun, avec une capacité d'accueil de près de 50 000 personnes. C'est même 20
vendredi. Cette journée marathon a permis aux 27 stagiaires de l'école supérieure d'administration militaire qui seront au terme de leur formation détenteurs d'un diplôme de qualification en logistique interforce d'avoir une idée sur le mode de fonctionnement de la base logistique continentale de l'Union africaine, mais aussi en ce qui concerne la sécurisation du golfe de Guinée. Les stagiaires ont pu apprendre davantage à la base navale de Douala sur le défi de l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et ce voyage d'une semaine se clôture ainsi ici, dans la ville de Douala, capitale économique de la République du Cameroun. La haute cour militaire a décidé vendredi 14 juillet 2023 à Kinshasa de convoquer le chef de division chargé des armes à feu au ministère de l'Intérieur au sujet de l'arme que portait le prévenu Mwangatutu Izzy Edouard. L'auditeur général du ministère public soutient que l'arme que détenait le député national Mwangatutu est une arme de guerre dont l'autorisation n'est donnée que par le président de la République. L'organe d'accusation a indiqué qu'hormis la détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, le prévenu doit aussi être poursuivi pour cession d'armes. Car l'arme sollicitée s'est retrouvée entre les mains de son garde du corps, actuellement injoignable. Le prévenu Mwangatutu a déclaré qu'il avait demandé et acquis une arme d'autodéfense au ministère de l'Intérieur après avoir payé une somme de $75. Il a ajouté que son garde du corps, lieutenant de FRDC, est venu prendre cette arme alors qu'il était à l'étranger pour des soins médicaux. Lors de la comparution du renseignant qui viendra du ministère de l'Intérieur, la haute cour militaire va poser des questions qui peuvent l'amener à une descente sur terrain. Les avocats de la défense estiment que la descente sur le lieu permettra non seulement de démontrer que leur client détenait en toute régularité une arme, mais aussi de prouver qu'il ne s'agissait pas d'une arme de guerre.